Je veux parler des nombres. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je veux parler des nombres. Soyez franc, écrire les nombres est une galère quotidienne. On sait qu'il y a des pièges, mais on ne s'en rappelle jamais. Aujourd'hui, je vais parler de ces pièges. On y va. Cela veut dire qu'il ne change pas, même s'il est multiplié. Voyez ces exemples. 3000, 1300. Voyez maintenant les deux nombres 20 et 100. 20 et 100 ne prennent pas un S quand ils sont seuls. Par contre, quand ils sont multipliés, ils prennent un S. Voyez ces exemples. 300, 400, 80. Mais dès que 20 et 100 est suivi d'un adjectif numéral ou un chiffre, ça fait les coquets et ça perd le S. Voyez ces exemples. 86, 302. Par contre, 100 retrouve un S lorsqu'il est suivi de milliers, millions ou milliards. Voyez les exemples. 200 millions, 300 milliards, 400 milliers. Vous avez vu, ils ne sont pas difficiles à apprendre. Il faut juste faire attention à où mettre un S. Merci et à bientôt.